Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Centre Pompidou. Ce soir nous poursuivons à la BPI, vous invite à nouveau à, à explorer les, les différents enjeux internationaux, le, la, les relations internationales sous tous leurs aspects. Euh, nous avions fait notre dernière séance en novembre dernier sur euh, les récits globaux, puis sur euh, le, le climat. Donc, nous allons poursuivre aujourd'hui avec un thème un petit peu différent, qui est celui du sport. Euh, je vous rappelle que c'est un cycle que nous organisons depuis un an et demi en partenariat avec le CERI, qui est le, laboratoire, le centre de recherche international de Sciences Po, et Alain Dikov, qui ne peut être présent ce soir, qui est le directeur, qui est le conseiller scientifique du cycle, avec qui nous préparons ces différentes séances. Voilà, donc ce soir nous avons l'honneur de recevoir Pascal Boniface, qui est le directeur de l'IRIS, et je vais passer la parole à Marie France Chatin, qui va nous présenter la soirée, et je vous souhaite une bonne un bon débat et à tout à l'heure. Merci Jérémy. Euh, bonsoir. Alors nous voilà donc réunis pour parler géopolitique du sport avec l'un des meilleurs spécialistes français de la question. Pascal Boniface, qui est le fondateur, Jérémy Desjardins vient de le dire, et directeur de, de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et auteur de plusieurs ouvrages sur le sport et le football. Bonsoir. Bonsoir. L'actualité autour du sport est particulièrement riche depuis plusieurs mois. Nous reviendrons bien sûr sur les différentes affaires qui secouent le vaste monde sportif. Une rapide introduction pour dire que depuis la renaissance de l'Olympisme à la fin du 19e siècle, le sport joue un rôle politique et international croissant. L'Allemagne nazie fit des Jeux olympiques de Berlin en 1936, on en parlera à une tribune politique. Après la Seconde Guerre mondiale, la compétition entre les États-Unis et l'URSS passa aussi par une course aux médailles. Plus récemment et dans un esprit très différent, Nelson Mandela appuya sa politique de rassemblement à la fin de la parité de la Coupe du Monde de, de rugby. Il s'agit bien sûr d'Afrique du Sud. Alors, depuis 20 ans, la, la donne a changé avec l'entrée du sport dans l'ère de la communication mondialisée. Autrefois, préparation à la fonction combattante ou terrain de substitution des conflits. On verra ça avec vous, Pascal Bonispas. Le sport est devenu une source de rayonnement et un moyen de, de communication, c'est-à-dire un véritable outil d'influence. Il constitue l'un des premiers spectacles mondiaux. Alors finalement, quel regard portez-vous, Pascal Boniface, sur le sport comme vecteur de diplomatie, comme outil de visibilité, d'affirmation aussi Regard également sur le rôle des sportifs comme autant d'ambassadeurs et sur la stratégie de diplomatie sportive. Finalement, on n'a jamais autant parlé de géopolitique de sport qu'aujourd'hui. Oui, effectivement, bonsoir à tous. On, on parle de plus en plus de jouer du sport alors que pendant très longtemps, je dirais politiques et sportifs ont dénié ce fait et ont dit qu'il devait y avoir une sorte de mur infranchissable entre le sport et la politique. Ça c'est le déni officiel, qui d'ailleurs dès le départ est faux, puisque si le parent de Coubertin veut réinventer les Jeux Olympiques, il a, tout en disant qu'il ne faut pas mélanger sport et politique, il a en fait lui-même deux objectifs géopolitiques, l'un avouable, l'autre qu'il est moins. Le premier qui est avouable, c'est contribuer à la pacification des relations internationales. Si ce n'est pas un objectif géopolitique, alors je me demande qu'est-ce que peut être la géopolitique. Et l'autre qui était nettement moins avouable à l'extérieur était de rehausser le niveau sportif des Français, parce que l'on avait diagnostiqué que c'est la meilleure préparation des Prussiens à la gymnastique qui avait permis la victoire de 1870, et le baron de Goubertin voulait à la revanche. Et d'ailleurs, preuve en est, c'est qu'il va créer. En s'inspirant des Jeux olympiques antiques, une épreuve dit le pentathlon moderne. Qui n'a pas grand-chose à voir avec les gens puisqu'on y tire à la cara ou au pistolet, ce qui forcément ne pouvait pas exister dans la Grèce antique. Et cette épreuve, en cinq, et, et cette dispute en cinq épreuves, doit permettre de monter à cheval, de courir, de nager, de tirer et de se battre à l'escrime. Toutes les qualités d'un combattant, finalement, qui doit fuir s'il est fait prisonnier ou qui doit transpercer les défenses ennemies. Donc on peut dire que dès le départ, dès l'origine, il y a un objectif géopolitique du sport et que dès le départ, les nations vont voir et la première fois que l'on défile derrière les drapeaux, c'est en 1912, vont voir que l'on peut montrer le drapeau en participant aux Jeux olympiques ou à la Coupe du Monde. Mais on peut dire que cette première mondialisation est un peu comme la première mondialisation du XVIe siècle. Elle est encore faite par rapport à l'actuel, même si le temps s'est beaucoup plus rétracté. C'est que aujourd'hui, finalement, je demande souvent aux gens qui doutent de, du fait que le sport puisse être un instrument de géopolitique. Je leur demande, y compris à des journalistes politiques, est-ce que vous connaissez le nom du premier ministre du Portugal ou du président portugais ou du Premier ministre ou du, ou du enfin euh, de, de la Jamaïque très souvent quand même sauf euh, les très ultra spécialistes dans cette zone c'est le silence alors que évidemment, tout le monde connaît Cristiano Ronaldo et Usain Bolt et que donc les icônes sportives sont devenues les ambassadeurs de leur pays les porte drapeaux de leur pays de façon beaucoup plus grande pourquoi parce que eh bien, la radio dans un premier temps la télévision dans un second les réseaux sociaux dans un troisième ont créé un stade universel. Et notamment la télévision a créé un stade aux capacités d'accueil universelles où chacun peut prendre place, quel que soit l'endroit où il se trouve physiquement, et quelle que soit l'heure de la journée, et quels que soient les moyens qu'il a accès. Ce qui fait que quand vous avez 2 milliards de personnes qui regardent soit la finale du 100 mètres olympique, soit la finale de la Coupe du Monde, eh bien oui, on voit bien qu'il y a des conséquences. Et le, fait, le sport comme fait social majeur est devenu depuis longtemps. Et nul ne peut le nier aujourd'hui, un instrument juridique. Juste pour terminer ce, cette première réponse, en 19, entre 1997 et 2002, j'avais, je dois dire, en vain tenté de convaincre Hubert Védrine de s'intéresser au sport en tant que ministre des Affaires étrangères, en disant que, par exemple, l'équipe de France de football était finalement un instrument de rayonnement. Et moi, entre 1998 et pendant plusieurs années, quel que soit le pays dans lequel j'allais, la première chose dont on me parlait sur la passerelle de l'avion, c'était de, des blagues blancs de l'équipe de France de football. Et euh, je dois dire que le Quai d'Orsay était assez réticent à cela. Et il y a deux ans, Laurent Fabius a créé très spécifiquement un poste d'ambassadeur pour le sport et Laurent Fabius n'est pas un fan, c'est pas un passionné du sport, c'est pas quelqu'un que vous irez voir crier dans les tribunes mais il pensait que c'était un moyen pour la France également de rayonner, d'être présent et que le sport faisait partie des outils diplomatiques dont la France devait se doter. Alors la question qui, qui est sous-jacente à cela, c'est finalement est-ce que la France s'y est pris de façon un peu, un peu tardive euh, Mais avant que vous y répondiez, euh, Pascal Boniface, évidemment, la question qui me vient, c'est euh, celle-ci. Tous les pays ont-ils une géopolitique du sport, euh, ou plutôt une diplomatie sportive Alors peut-être qu'il y a un distinguo à faire, vous allez nous le dire. Euh, et finalement, quel est le seuil à partir duquel un pays se met à avoir une géopolitique du sport à partir du moment où il utilise le sport comme instrument de rayonnement. Et donc, il y a là plusieurs exemples. Et je dirais que le, la géopolitique du sport, c'est un peu comme la prose de M. Jourdain. Tout le monde le faisait avant sans vraiment s'en rendre compte. Mais vous avez évoqué dans votre introduction la compétition soviéto-américaine. Il y avait le décompte des armes nucléaires, il y avait le décompte des chars, il y avait le décompte des bases militaires à l'étranger. Mais chaque Olympiade, le décompte des médailles d'or, était le signe de la supériorité d'un régime soit la jeunesse sportive musclée soviétique, soit celle sportive et musclée également du côté libéral américain. Et dans cette compétition, il y a une conviction de la compétition qui opposait les deux Allemagnes, qui a conduit d'ailleurs l'Allemagne de l'Est à largement tricher pour l'emporter sur sa concurrente capitaliste. Et c'est vrai que c'était un instrument d'affirmation. Aujourd'hui, on voit bien que tous les pays tentent d'exister, de, 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 soit en étant candidats à l'organisation des Jeux, et pour le Brésil, faire successivement la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques a été vu par le président Lula comme un signe de reconnaissance de l'émergence du Brésil, non plus comme un pays d'espoir, mais un pays devenu un grand. Et on voit d'ailleurs que les dernières Olympiades et Coupes du Monde ont été beaucoup remportées par les BRIC euh, Russie, Chine. Euh, Afrique du Sud aussi, puis si on rajoute un BRICS, euh, Brésil et Russie, l'exception c'est l'Inde. L'Inde est l'un euh, des rares pays qui n'a pas de diplomatie sportive, qui ne s'intéresse pas beaucoup au sport à part le cricket et qui a un bilan... En termes de Coupe du Monde où ils n'ont participé, ils n'ont même pas pu y aller en 50. Et le, vous regardez le, le bilan des médailles indiennes aux Jeux olympiques, c'est catastrophique par rapport à la taille du pays. Ce qui commence à devenir gênant pour les Indiens, notamment dans le duel qu'ils mènent avec les Chinois. Et pourquoi ce déficit sportif indien Beaucoup disent que c'est le système des castes qui fait qu'on est assigné à une place à la naissance par la caste, alors que le sport c'est le dépassement. Le sport c'est au contraire très démocratique et on n'est pas assigné à sa place au départ. Tout dépend de vos dons, de la chance, du travail, etc. Mais il y a bon l'exemple très connu du Qatar qui mise beaucoup pour le sport pour exister. Et c'est vrai que avant 2010 et avant avant 2009-2010, avant que le Qatar n'achète le Paris Saint-Germain et ou obtienne la, la Coupe du Monde 2022, seuls les spécialistes du gaz Connaissait le Qatar. Aujourd'hui, plus personne n'ignore l'existence de ce pays et l'endroit où il est situé, et tout le monde le connaît. Donc, chaque pays a une diplomatie sportive qu'il joue, dont il use un peu en fonction des circonstances, de ses traditions, de son passé, et puis aussi, des fois, de l'impulsion politique qui est donnée, et puis aussi quelque part du hasard, parce que tout d'un coup, il y a des pays qui découvrent qu'ils ont des pépites dans leur population avec des champions hors normes. Alors, vous parliez de l'Inde, ce à quoi on peut peut-être s'attendre, c'est quand on voit l'énergie euh, que met euh, Narendra Modi aujourd'hui à développer une politique étrangère euh, beaucoup plus large, peut-être précisément voir émerger l'Inde aussi sur une diplomatie, une diplomatie sportive. En ce qui concerne le Qatar, euh, cette émergence, elle a été assez fulgurante. Quelle a été la, la stratégie qatarie Pascal Boniface Alors, Pour l'Inde, ça va être compliqué parce qu'en fait, on ne crée pas des champions euh, en quelques temps. C'est assez lent. Par exemple, la Chine, qui veut miser sur le football, qui est le sport universel, euh, ne s'est qualifiée qu'une seule fois pour la Coupe du Monde. Alors, il y a des problèmes de corruption qui le gênent, mais on ne fabrique pas des champions. Il y a aussi une culture, une tradition. Il faut que les jeunes aient l'envie par des vedettes euh, d'auparavant. Euh, et donc, il n'y a pas de génération spontanée en sport. Et donc, même si. Euh, Maudi veut dire qu'il est tout à fait inadmissible que l'Inde soit reléguée aux arrières scènes sur le plan sportif, notamment dans la compétition avec la Chine. Il faudra d'une part qu'il dépasse des barrières internes à sa société, qui sont quand même très puissantes, et d'autre part qu'il fasse preuve de patience. Parce qu'on euh, ne crée pas un champion en quelques années. C'est combien d'années finalement C'est bah plus plusieurs générations. Génération, plus. C'est plusieurs générations effectivement. Euh, Peut-être que vous avez en mémoire euh, ce. Enfin, il y a beaucoup de jeunes, mais donc vous l'avez pas vu à la publication. Moi non plus d'ailleurs. Mais en 1960, le dessinateur du Figaro, Jacques Faisant. La France a un bilan horrible, aucune médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rome. Et Jacques faisant représente le Général de Gaulle en basket et en survêtement, disant décidément il faut que je fasse tout dans ce pays. Et effectivement, de Gaulle a du coup créé l'INSEP, par la suite font Romeux et ça l'a mis quand même du temps pour avoir des résultats, mais ils sont arrivés. Alors pour le Qatar, le Qatar a pris cette stratégie sur d'exister parce que le Qatar est dans une zone géopolitique pour le moins troublée, est soumis aux appétits concurrents de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, et les Qataris ils se sont dit, si l'Iran nous attaque comme l'Irak a attaqué le Koweït, on sera peut-être défendu par les Américains, mais ça prendra du temps pour recouvrer notre souveraineté. Par contre, si c'est les Saoudiens, on a peu de garanties que les Américains nous aident parce que, à choisir entre le gros et le petit, ils vont plutôt prendre le gros que le petit. Et donc, ils ont misé sur Al Jazeera pour gêner un peu les autres pouvoirs et être un point sur la carte et sur le sport avec cette conviction réelle que le sport est plus facilement populaire que d'autres instances. Et c'est vrai que c'est un peu le, le paradoxe du sport. Dans le sport, la puissance n'est pas impopulaire. Lorsque l'équipe du Brésil de football était au top, elle ne l'est plus tout à fait, mais enfin, elle reste quand même parmi les meilleures. Finalement, être battu par le Brésil donnait du plaisir, parce que l'équipe du Brésil était populaire. Quelqu'un qui est battu par Usain Bolt n'est pas humilié. Et au contraire, il a du respect. Donc, on est dans le domaine stratégique global, le plus puissant attire l'inimitié, la jalousie ou la résistance. Dans le domaine sportif, il suscite l'admiration. Donc, c'est quand même un élément très, très payant. Alors, le problème du Qatar, c'est qu'ils ont une population qui est très faible. Donc, ils excellent dans obtenir l'organisation de compétition parce que. Money is that an issue pour eux, comme ils le disent. Et donc, ils peuvent tenir ces compétitions en mettant l'argent. Par contre, pour bâtir des équipes sportives, c'est plus compliqué. Alors, ils ont un bon pilote de rallye qui a gagné le Paris-Dakar, bon, qui est un natif. Sinon, en athlétisme et dans les autres sports, ils ont une politique de naturalisation des sportifs. Et il y a quelque temps, un ancien Kényan avait gagné le champion du monde de 3000 stifles, était devenu naturalisé qatari et le journal du Qatar avait titré que le Qatar avait brisé le monopole du Kenya sur le 3000 sti, ce qui était une certaine façon de voir les choses et tous les sports n'ont pas la même attitude par rapport au changement de nationalité en cours de carrière, le football est plus sévère que l'athlétisme ou que d'autres sports mais ils ont été en finale du championnat du monde de handball qu'ils ont organisé chez eux l'an dernier avec une équipe où la plupart étaient des gens qui étaient nés à l'étranger alors quels sont... Euh les puissances émergentes en termes sportifs que vous voyez poindre à l'horizon. Il y a toujours quand même une domination européenne en termes de des, des sports majeurs. On voit quand même cela parce que là encore il faut des infrastructures. L'Afrique est riche de talents, mais par exemple le bilan y compris en football ou qui est un sport plus facile parce que les infrastructures initiales sont plutôt faibles. Les équipes de football africaines à part ne dépassent pas les quarts de finale et donc ils n'ont pas encore été finalistes de la Coupe du Monde. Ça viendra, mais on voit que. Ça prend du temps. Euh, C'est différent dans des sports comme l'athlétisme, mais ça dépend des infrastructures pour jouer au le, 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 le bilan, enfin le palmarès pardon du handball est purement européen. Parce que c'est un sport qui se pratique avec une petite entrée sud-coréenne. Parce que c'est un sport qui se pratique dans les pays nordiques, dans un gymnase, etc. On ne va pas construire un gymnase pour jouer à cela en Afrique. Il faut bien sûr, on voit bien que le cyclisme s'internationalise. Le Tour de France est représenté dans des dizaines de pays. Mais là encore, le palmarès s'ouvre lentement. Il y a encore peu d'Africains qui sont champions de cyclisme. La natation également, est également pour l'instant encore largement occidentale. Donc c'est assez lent. Euh, on peut dire que l'attribution des compétitions est en avance à la répartition des médailles. Parce que par une, le CIO et la FIFA veulent être des acteurs géopolitiques volontaires. Et donc ils ont voulu anticiper l'histoire à chaque fois. Lorsque le Japon reçoit les Jeux de Tokyo en 1964, c'est pour reconnaître sa réintégration. Dans la communauté mondiale, on oublie 1945, on oublie la Seconde Guerre mondiale, et donc c'est un geste volontaire de récompense par rapport au Japon. De même qu'en 1968, lorsque les Jeux sont attribués à Mexico, c'est pour montrer qu'un grand pays, on ne parle pas encore de pays émergents, mais on parle d'un pays majeur du tiers-monde, qui est le Mexique, peut, premier pays du Sud, enfin il est ce continent nord-américain, mais il était considéré d'un point de vue géopolitique comme pays du sud, reçoit les Jeux Olympiques. La Chine se devait d'avoir les Jeux Olympiques. Elle avait échoué deux fois. On ne pouvait pas laisser à l'écart un cinquième ou un sixième de l'humanité, etc., etc. Donc, il y a cette répartition. Et le Brésil, lorsque Lula, donc lorsque Nelson Mandela se déplace pour demander la Coupe du Monde, il est très difficile de lui refuser par rapport à ce qu'est l'Afrique, par rapport à ce qu'est le continent africain et évidemment par rapport au modèle vertueux de la fin de l'apartheid dans lequel, vous l'avez dit, le sport a joué un rôle important de réconciliation entre blancs et noirs, notamment à travers le rugby qui était le sport des blancs alors que le football était le sport des noirs. Je suis allé en 2010 en Afrique du Sud, j'ai vu successivement un match France-Afrique du Sud de rugby et un match de la Coupe du Monde d'équipe de France, ce n'était pas du tout le même public. Il est tout le même stade, d'ailleurs. Donc là aussi, ça sera lent. Vous voyez les débats qu'il y a sur la composition de l'équipe sud-africaine de rugby. Les Noirs se plaignent qu'il n'y a pas suffisamment de représentants noirs, mais en même temps, c'est que la base des pratiquants est encore essentiellement blanche. Alors évidemment, vous parliez de ces pays qui ont été couronnés d'une certaine manière avec l'organisation des, des Jeux Olympiques. On n'a pas parlé de la Russie, on en parlera peut-être plus tard, mais avec les Jeux de Sochi, c'était les premiers Jeux de la Russie post-URSS. C'est aussi un exemple. Oui, c'était le triomphe de Poutine, parce que Poutine, lui aussi, s'était déplacé pour plaider pour que Sochi ait les Jeux Olympiques. Le CIO était sensible à cela. Et pour Poutine, au-delà du coût pharaonique, parce que les jeux ont coûté 37 milliards de dollars, en même temps, il y a des infrastructures, aéroports, etc., qui resteront. Mais disons qu'il n'y avait rien à Sochi. Et bon, le pari d'en de faire une station qui attire du monde, et ce qui permettra aux Russes d'aller skier sans aller dans les pays où il y a les sanctions. On verra ce qui se passera par la suite. Mais c'était surtout aussi pour Poutine une revanche par rapport au boycott de 1980, parce qu'aucun pays n'a boycotté des jeux de Sochi. Y compris l'Ukraine. Les sportifs ukrainiens étaient à Sochi. Et donc, ce qui s'est passé en 1980 ne serait plus possible, à mon avis, aujourd'hui. Et pour Poutine, c'était un succès personnel, effectivement, de triomphe, de dire que l'affront de 1980 était levé et les Russes attendent avec impatience la Coupe du Monde 2018, puisque la Coupe du Monde ou même un championnat d'Europe n'a jamais été organisé en Russie. On en reparlera également. Euh, L'aspect économique me paraît important, cet instant de. De cette euh, conférence sur, euh, sur la géopolitique et, et, et le sport. Euh, bon, sport et diplomatie politique, on l'a bien compris. Euh, si, les liens sont extrêmement étroits. Euh, en termes économiques, est-ce qu'on peut parler euh, du sport comme d'un levier de croissance euh, Pascal Non, pas vraiment. Le, on parle beaucoup. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'argent. Quand on voit les budgets des clubs de football des 20 premiers, ça n'a plus rien à voir avec les budgets d'il y a 20 ans. Les droits télévisés ont euh, augmenté de façon spectaculaire. Euh, le prix des maillots, et le nombre de maillots vendus aussi dans le monde. Et maintenant, dès que vous vous promenez dans une ville asiatique, les gens dans la rue ont des maillots d'équipe anglaise, voire du Real ou du Barça. Peut-être bientôt du Paris Saint-Germain. Donc, il y a une économie qui est beaucoup plus florissante. Et les salaires des grandes stars n'ont là aussi plus rien à voir. Copa gagnait le salaire d'un cadre supérieur. Euh, bon, c'est donc euh, et on lui disait déjà quand il faisait une partie moins bonne que les d'autres, Feignant retourne à la mine. Donc il y avait déjà quand même le reproche de gagner trop d'argent en faisant du sport. Mais en fait, il y a un impact médiatique et politique du sport sans commune mesure avec l'impact économique. Même si les clubs de football sont des entités opulentes aujourd'hui en termes économiques, ce sont des PME. Elles n'ont pas la capacité de Ford, de Pepsi-Cola. Euh, ou de Google. Et pourtant, le Real Barcelone ou Manchester sont aussi connus que les plus grandes multinationales dont l'impact économique n'a aucune mesure. Donc on, on confond toujours un peu l'impact médiatique et, je dirais, social du sport avec sa force économique. Oui, il y a de l'argent dans le sport. Oui, c'est une activité économique de plus en plus importante. Mais les sommes en jeu restent modestes. Il y a une disproportion entre l'impact médiatique et l'impact économique. Alors justement, je ne sais pas si euh, euh, je suis tombée sur les bons chiffres, en tout cas euh, en préparant cette, euh, ces questions à, à votre intervention. J'ai lu que l'industrie du sport en termes économiques, c'était aujourd'hui environ, je parle sous votre contrôle, 500 milliards de dollars par an. Euh, J'ai presque envie de vous poser la question de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là, il n'y euh, a pas si longtemps, euh, les années 70 du siècle passé, euh, le sport en général avait plutôt un caractère amateur. Comment est-ce qu'on a, on a basculé aussi vite bah, bah, et aussi fortement bah, dans Parce que dans, dans les 500 milliards, il y a euh, les chaussures que vous avez dû acheter pour aller au fitness club ou courir, il y a tous les équipements individuels, le fait que les gens s'urbanisent, pratiquent de plus en plus le sport en ville avec des équipements, euh, s'abonnent à les télévisions. Payante. et donc c'est tout ça aussi c'est pas seulement les salaires des sportifs ou les budgets des clubs, c'est aussi toutes les dépenses et c'est vrai que le sport au quotidien dans la vie quotidienne des gens prend de plus en plus d'importance d'où les, les enjeux économiques et médiatiques parce que les gens vont plutôt acheter effectivement tel type de chaussures ou tel équipement et que la concurrence qu'il y a entre Adidas, Nike ASIC c'est très vive euh, Arena pour les maillots de bain etc. Mais ça c'est le contre-coup de l'impact télévisé. Ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est qu'au départ, dans les années 60, euh, les, les dirigeants de clubs de football ne voulaient pas qu'on filme les matchs, qu'on diffuse les matchs à la télévision, parce qu'ils pensaient que ça allait vider les stades. Et il y avait trois caméras. Donc en plus, c'était des retransmissions qui étaient quand même un petit peu enfin, difficiles. Et on s'est rendu compte aujourd'hui, c'est que plus un match est télévisé, plus les gens veulent aller. Les gens veulent aller voir dans le stade le match qui sera retransmis sur euh, toutes les. Il bon, faut y être. Bon, voilà. Je veux dire, PSG Chelsea, il y aura plus de demandes que pour euh, PSG Lorient euh, 15 jours auparavant. Donc en fait, les télévisions ne vident pas les stades, elles les remplissent. Elles les remplissent et en plus, elles donnent envie aux gens d'acheter. Donc c'est ça aussi qui fait des budgets extrêmement conséquents. Mais une fois encore, sans commune mesure avec l'impact politique du sport. On va parler de l'actualité, si vous en êtes d'accord. L'année 2015 va rester marquée par les scandales en série qui ont frappé l'ONU du football, dirigé par le même homme depuis 1998. Tout le monde aura compris que j'évoquais là euh, la FIFA. Euh, Pascal Boniface, qui en sera le prochain président Qui va succéder à Seb Blatter Quelle sera sa politique euh, on a bien compris que la présidence de la FIFA n'était pas une fonction sportive, vous nous en avez dit quelques mots, euh, c'est évidemment un poste politique où s'expriment des préoccupations géopolitiques et économiques. Euh, comment se présente 2016 pour la FIFA alors, C'est quand même une année un peu compliquée parce que tout le monde, comme vous le savez, ne peut pas se présenter. Michel Platini, qui était l'ultra favori, a été barré par une sorte de vengeance posthume de Seb Blatter qui ne voulait pas que son meilleur ennemi lui succède. Tout le scandale autour de la FIFA montre l'importance du football aujourd'hui. Il y a 30 ans, 20 ans, le fait qu'il y ait quelques actes de corruption à la FIFA serait passé inaperçu. Tout le monde s'en serait foutu parce que ce n'était pas important. Si les mêmes gestes de corruption étaient dans, par exemple, la Fédération des sports de glace, euh, qui a été atteinte de la même manière, personne n'en parle. Et donc le fait que l'arrestation d'une de demi-douzaine de membres du Conseil exécutif de la FIFA en mode vision devant toutes les caméras du monde et devienne pendant trois jours le fait le plus commenté. J'ai presque fait autant de médias que lors du déclenchement de la guerre d'Irak en 2003 à propos de l'arrestation des amis de Seb Blatter. Montre de façon spectaculaire l'importance sociale du football. C'est devenu un fait mondial. Alors effectivement, la FIFA, en fait, a pris une importance très grande, pas tellement en termes de budget. 4 milliards, effectivement, pour 4 ans d'ailleurs. Donc, ça fait un milliard par an. C'est énorme, mais... C'est plus l'importance, une fois encore, politique, etc. et symbolique qu'à que, qu la FIFA. Et on peut dire que la gouvernance de la FIFA n'a pas progressé à même proportion que l'importance de la FIFA. La FIFA, lors de sa création, c'est sept pays. Aujourd'hui, c'est 203. Donc, il y a des gens qui ne sont pas à l'ONU qui sont à la FIFA. Et effectivement... Tout le monde veut partir à la Coupe du Monde, les gens se battent pour pouvoir l'organiser, pour avoir telle compétition, etc. Donc ça a pris une proportion qui fait que les petits arrangements entre amis qui passaient inaperçus ne passent plus inaperçus. Ce n'est pas qu'il y a plus de corruption, d'ailleurs, ni en politique, ni dans le sport aujourd'hui, mais c'est que la corruption est moins acceptée et qu'elle est plus facilement dépistée parce que les moyens de la traquer sont fort heureusement plus nombreux qu'auparavant. Quel est votre regard sur, euh, sur le scandale qui... Euh Balaye aujourd'hui la, la FIFA après nous avoir exposé le euh, bah, fonctionnement, mais voilà comment on voilà, choses bah, C'est un entre-soi qui a trop duré, une absence de renouvellement, euh, des gens qui euh, s'auto-désignent entre eux et des pratiques clientélistes, alors donc qui sont évidemment condamnables. Mais pourquoi Blatter est populaire C'est qu'en fait il a arrosé, dans tous les sens du terme, et des petites fédérations africaines qui se voyaient dotées d'un stade, etc., lui étaient reconnaissantes. Donc, c'est le clientélisme avec ses avantages, répartition de la galette et ses inconvénients, achat, quelque part, des, des voix et des votes. Et donc, il est clair qu'il faut beaucoup plus. Euh, c'est que si le football veut continuer à étendre son empire, ce qui est le but de tout empire, eh bien, euh, Rosel avait dit que tout empire périra, ça peut être également vrai du football. Si tout d'un coup, euh, les reproches qui sont faits au football, c'est d'être. Euh, Traficé, truqué, que les compétitions sont biaisées, etc., bah, les gens se précipiteront moins pour regarder les compétitions. Pour l'instant, notons que les accusations de corruption ne portent pas sur le résultat des compétitions, mais sur... Euh, l'achat de voix, des droits télé, etc., etc. Ce qui est suffisamment grave en tant que tel. Mais donc, euh, le football, comme on regardait le, le scandale de l'athlétisme, il y a 15 ans le scandale du cyclisme, si le cyclisme n'avait pas fait son opération pédalier propre, euh, certainement qu'on ne regarderait plus le Tour de France. Que là, il, bon, et donc le football doit faire sa mue, de même que l'athlétisme doit faire sa mue, et que euh, bon, les dangers qui pèsent sur le sport, ce sont... Avant avant tout, le dopage, il est bien identifié. Il y a une course éternelle entre le gendarme et le voleur, comme partout ailleurs. Il y a un autre danger, peut-être qu'on en parlera plus tard, majeur. Ce sont les paris truqués, qui là mettent en jeu des mafias organisées, qui peuvent, on l'a vu au tennis, impacter les compétitions et surtout impacter ce qu'on appelle la glorieuse incertitude du sport, qui fait le sel d'une compétition. Alors justement, j'avais prévu d'en parler. Pour terminer avec la FIFA, j'ai deux questions. L'élection, donc le 26 février prochain, est-ce qu'on a une idée de ce qui se, de ce qui se trame Et, et l'autre question, Pascal face c'est les conditions d'attribution des Coupes du Monde de 2018 en Russie et 2022 au Qatar. Est-ce qu'elles sont remises en question alors pour votre première question, le candidat, le prince Salman du Bahreïn, semble être favori notamment par une éventuelle alliance Asie-Afrique euh qui sent bon le tiers-monde, mais ce n'est pas vraiment du tiers-mondisme. Mais euh, il est accusé d'avoir joué un rôle dans la répression de 2011. Donc il faudra voir si ça joue ou pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas de candidat qui fait la différence. Il y a euh, le candidat sud-africain, Tokyo Sexval, qui, par son simple nom, euh, est assez attractif, euh, mais qui est un riche sud-africain, mais qui n'a pas les voix de son propre continent. Bon, donc euh, c'est un peu compliqué. Il y a le Jordanien, le Prince Ali. Donc, pour l'instant, c'est un peu une sorte de boîte noire. On verra d'où sort la fumée. C'est un peu comme l'élection du pape. On verra. Enfin, là, au moins, les candidats sont officiels, ce qui n'est pas toujours le cas pour l'élection de ce qui sera le pape du football pour quelques temps. Et sur les Coupes du Monde 2018-2022, la Russie, non, ça ne sera pas remis en cause à ma connaissance. Pourquoi Enfin, disons, si je devais parier, euh, honnêtement, sans truquer le pari, je parierais que la Coupe du Monde aura bien lieu en Russie en 2018, sauf découverte, d'un achat massif, majeur de voix, etc. Mais en l'état actuel des connaissances, bon, parce que les Russes ont fait de l'influence comme. Euh, les Français ont dit que les Anglais avaient triché pour les Jeux Olympiques de 2012, euh, et les Anglais disent que les Russes ont triché pour la Coupe du Monde de 2008. C'est de bonne guerre. Mais euh, les Russes, je crois, ont du mal à se faire prendre la Coupe du Monde, tout simplement parce que les éliminatoires commencent dès l'automne, et qu'il faudrait tout refaire, et que c'est un peu tard quand même pour trouver un autre pays. Et puis. Retirer la Coupe du Monde aux Russies, à la Russie, ça a quand même un impact, suite à une enquête menée par le FBI, ça a quand même un impact géopolitique un peu plus important. Et donc, ça. Ça, ça ferait une tension pour le coup, parce que Poutine a déjà communiqué sur le fait que les accusations portées sur l'obtention de la commune de l'Université étaient un complot américain de mauvais perdants de, de, et de revanchard de l'histoire. Quant au Qatar, bien sûr, il est plus facile de lui retirer parce que c'est quatre ans plus tard, que c'est un pays qui a, qui a moins de poids sur la scène géopolitique, en tous les cas. Mais même pour les pays arabes qui n'aiment pas le Qatar, il y en a, ça serait vécu là aussi comme une sorte de complot pour une fois qu'un pays arabe donne quelque chose. On... Donc, Platini a dit qu'il avait voté pour le Qatar, ça, a été, ça lui a été beaucoup reproché, mais il y a eu 14 voix contre 8 pour le Qatar contre les États-Unis. Donc, même si Platini n'avait pas voté pour le Qatar, le Qatar aurait quand même obtenu cette Coupe du Monde. Il y a les inconvénients qui sont la chaleur, alors on va peut-être le déplacer en hiver, qui fait que le Qatar n'est pas une, un pays de tradition sportive, mais dans le but de Platini, ce n'était pas tellement le fait d'aller dans un pays riche, c'est que de même que. Quand les États-Unis ont eu la Coupe du Monde en 1994, beaucoup ont dit Mais ce n'est pas un pays de football. Quand le Japon et la Corée du Sud ont eu la Coupe du Monde en 2002, on a dit Mais ce ne sont pas des nations de football. Et quand l'Afrique du Sud et la Coupe du Monde ont en 2010, on a dit Mais ça va être un coupe-gorge. Les femmes se feront violer, les supporters attaqués. tout s'est bien passé. Parce qu'on avait peur que la Coupe du Monde soit dans un pays africain. Et donc la FIFA, comme le CEO, veut simplement étendre ses empires et aller là où ils ne sont pas allés, pour trouver, oui, des nouveaux marchés, bien sûr donc Proche-Orient et Asie, entre autres. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire à propos du football, à propos de la FIFA, mais... Probablement, la Chine devrait être le pays organisateur de la Coupe du Monde 2026 ou 2030. D'accord, donc ça c'est une information, c'est un scoop pour ce soir, <laughs> en tout cas pour moi. Euh, alors, alors voilà, peut-être que la Russie va nous permettre de faire la, la transition, on en parlait à l'instant à propos de la, de la Coupe du Monde donc, qui doit s'y tenir euh, en 2018. L'interrogation euh, aujourd'hui, ou en tout cas ces semaines-ci, euh, elle est de savoir si la Russie va pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Rio euh, l'été prochain. Les athlètes, les, les, les athlètes, athlètes, oui. Mmh. Parce que, et j'en viens donc à un autre aspect de notre, de notre échange, ce sont les scandales de dopage et de corruption qui frappent les fédérations internationales d'athlétisme et de, et de football. Il y a ce rapport explosif de l'Agence mondiale anti-dopage qui a conduit à la suspension provisoire de la Russie. Par la Fédération internationale d'athlétisme. Euh, et ce rapport, il révèle que le dopage d'État résultant de directives venues du sommet de la pyramide politique et coercitif n'avait pas disparu avec le mur de Berlin. C'est un aspect des choses que j'aimerais voir avec vous, Pascal Boniface. Finalement, euh, après le, 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 la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'URSS, on a un peu le sentiment, et peut-être que nous avons, nous, en Occident, une responsabilité, c'est-à-dire qu'on a un petit peu fermé les yeux, on s'est dit, voilà, euh, le panorama est totalement différent, changement de costume euh, et changement de d'us et coutumes, Et finalement, euh, ils n'ont pas tellement changé euh, ces us et coutumes. Ah, si, parce que c'est pas la. Enfin, il y, y a deux choses. C'est qu'après l'effondrement de l'URSS, le sport a disparu de ces pays. Et le sport russe a été, comme l'État russe, comme Boris Yeltsin, sur le déclin. À l'image, euh, voilà. Donc, on voit le sport russe se porter aussi bien que le président russe dans les années 90, et il se porte aussi bien physiquement que le président russe dans les années 2000. Et donc la disparition des structures étatiques a fait disparaître des palmarès la Russie et les autres pays issus du bloc de l'Union soviétique. Poutine a misé sur le sport dès son arrivée au pouvoir, parce que lui-même était un ancien judoka, mais surtout il a misé pour le, sur le sport pour vaincre l'alcoolisme. Et pour des problèmes de santé publique, et également pour les problèmes de rayonnement diplomatique. Donc, il l'a fait par, je dirais, goût personnel et par vision stratégique. Un problème interne, c'était l'alcoolisme, le mauvais état de santé de la population. Le sport peut être une réponse pour cela, comme d'autres pays, par exemple, se mettent au sport pour vaincre, combattre l'obésité, par exemple, dans les nouveaux pays émergents. Et puis, donc, restaurer le blason de la Russie. Alors, effectivement, euh, il y a, par exemple, il a passé un pacte avec quelques oligarques qui, à condition qu'ils ne fassent plus de politique et qu'ils réinvestissent une partie de leur fortune dans les clubs russes, euh, pouvaient être tranquilles. Donc, les clubs russes de football ont aujourd'hui la Russie et l'indice UEFA, le classement des clubs au niveau européen, n'est plus très loin de la France. Elle est sixième, euh, nous sommes quatrième ou cinquième, alors qu'elle était reléguée au fin fond du classement. Mais. Là, il y a ce problème de scandale du dopage dans la fédération d'athlétisme, qu'on peut se demander jusqu'où cette décision est remontée, mais il y a eu effectivement, je dirais un peu à l'ancienne, à l'ancienne, un dopage organisé, si ce n'est par l'État, du moins par la fédération. Avec des athlètes qui ont été poussés à se doper et ceux qui ne marchaient pas, qui ont été un peu poussés dehors. Et fort heureusement, ils ont été pris la main dans le sac, ce qui fait qu'il y a là une menace d'exclusion totale des athlètes, non pas des sportifs, mais des athlètes russes pour les Jeux de Rio, y compris de ceux d'ailleurs comme Elena Ibaseneva, la, la Perchis, qui n'a jamais été soupçonnée de dopage. Mais là, c'est la Fédération en tant que structure. Donc, toutes les négociations pour l'instant sont de dire comment sanctionner les dopés russes, sans que sanctionner, alors que la Fédération, on sait que la Fédération a mis euh, la main à la pâte dans la procédure de dopage, mais comment ne pas du coup sanctionner des sportifs qui, par ailleurs, dans le cas de la Perchis, sont attractifs, font de l'audience et sont honnêtes parce que on l'a bien compris, il n'est pas question non plus de stigmatiser la Russie. Je crois qu'elle n'est pas la seule. Hein. On évoque le Kenya, le Maroc, la Turquie, et puis les autres sports. Vous évoquiez la perchiste, mais c'est aussi la natation, le ski de fond, l'aviron. Euh, c'est cette vague de scandales, elle vous étonne euh, vous bah euh, Non, dans la mesure où les moyens de dépister le 2 sont de plus en plus nombreux, que les différentes fédérations ont mis en place un système de suivi parfois très sévère. Il suffit de ne pas avoir indiqué trois fois de suite l'endroit précis où on est pour être disqualifié. Et donc, bah, ceux qui sont plus négligents, pendant très longtemps, effectivement, on ne s'est pas trop occupé des fondeurs kényans qui sont excellents. Mais qui était quand même assez groupé, quoi. Et donc, dans le lot, peut-être qu'il y a eu quelques abus, effectivement, et que l'attitude et l'entraînement n'étaient peut-être pas le seul facteur de succès. Bon, mais disons que entre le dopage et la lutte anti-dopage, c'est un combat éternel. Mais dans les dernières années, la lutte anti-dopage a pris le pas. Donc, c'est un peu le paradoxe. On a l'impression qu'il y a plus de scandales, alors qu'il y a plus de scandales révélés. Mais il n'y a pas plus de scandale. Et l'agence mondiale antidopage a maintenant euh, des pouvoirs qu'elle qu n'avait pas auparavant, d'une part parce qu'elle n'existait pas, mais même à sa création. Donc le, le, la lutte antidopage a des moyens juridiques, des moyens humains, des moyens scientifiques. Mais vous aurez toujours celui qui va être tenté de jouer au plus malin et qui va euh, essayer de percer le bouclier avec une épée un peu plus fine. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus personne n'échappera au filet. C'est-à-dire que ce ne sera peut-être pas immédiat, mais les scandales éclateront s'ils doivent éclater. Et ceux qui pensent qu'ils passeront à travers les mailles du filet, je, je n'y crois pas trop, parce qu'on a vraiment beaucoup plus de moyens auparavant. Et une, comment, un produit nouveau qui serait indétectable, peut-être qu'il est indétectable en 2016, mais il va devenir détectable en 2018-2019. Avec ce qui... Qui est important de souligner, peut-être, c'est ce différentiel d'analyse en termes de dopage, en fonction des disciplines. On, on ne va pas analyser de la même manière ce qui se passe dans le cyclisme que ce qui se passe dans le football, dans le tennis, dans la natation, Pascal manifeste Oui, alors c'est vrai que le cyclisme a réuni un peu toutes les critiques parce que c'est le sport qui a concentré le plus de scandales de dopage et c'est aujourd'hui le sport le plus surveillé. Et les cyclistes en ont assez d'être les boucs émissaires. Ils pensent que c'est eux qui ont le plus de contrôle. Dans toute leur carrière, dans toute l'année, et on parle toujours encore du dopage dans le cyclisme, pas d'autres sports. Pendant très longtemps, on a dit mais dans le football, le dopage, c'est pas nécessaire parce que ça ne sert pas à dribbler, ça ne sert pas à faire une talonnade, etc. Sauf que on voit que les charges d'entraînement sont de plus en plus lourdes, et en fait tous les sports qui demandent un effort physique, si vous pouvez vous entraîner pour courir plus vite, sauter plus haut, etc. Ce qui est aussi utile dans le football, ben oui, le, il peut y avoir du dopage dans le football, et donc il faut pas dire qu'il y a des sports qui sont à l'abri par rapport à d'autres, ce n'est pas bien sûr, il y a des sports plus marqués, l'haltérophilie est par définition, enfin disons pas par définition, par historicité, un sport dans lequel le dopage est fort y compris dans les rangs amateurs d'ailleurs, ce qui est très dangereux, mais on voit bien que les sports qui sont plus des sports d'adresse sont peuvent également être impactés que donc il ne faut pas que le dopage soit réservé à sa, les luttes antidopage pardon, soit réservé à certains sports. Alors on dit que l'agence mondiale antidopage n'a pas assez d'argent c'est la question que je, je vous pose. Quant aux sanctions, est-ce qu'elles vous semblent suffisantes Actuellement, il y a une interdiction de participation de, de 4 ans. Vous êtes favorable à une suspension à vie bah, euh, la suspension à vie c'est un peu comme la condamnation à mort, c'est un peu il y a quelque chose d'irrémédiable et donc, par définition, on peut dire que chacun peut s'amender. En même temps, quand vous êtes condamné à 4 ans quand vous avez 30 ans, vous pouvez dire adieu à votre carrière. Donc ça dépend, je pense que non, on peut toujours donner une deuxième chance à quelqu'un, mais qu'il faut être sévère et que les récidivistes doivent être exclus définitivement. Alors les paris truqués euh, c'est un, une vaste page qu'on peut peut-être ouvrir là. Je pense au tennis où il euh, y a actuellement euh, l'Open de Melbourne euh, en Australie. Euh, cette question est évoquée. Comment est-ce que vous voyez vous-même quel regard vous portez sur cette euh, sur cette problématique ben, Les paris truqués, c'est une réalité qu'il ne faut pas nier. Le développement des paris, le développement du, du marché euh, ouvre bien sûr et pour euh, les mafias, parier sur des matchs truqués est moins dangereux que de transporter de la drogue ou de vendre des armes ou des espèces menacées ou de faire du trafic humain donc c'est très tentant comme activité euh, et en, vous avez des pays en Asie où le pari fait partie de la culture c'est moins le cas en France c'est le cas en Grande-Bretagne en France vous avez un système avec l'argel qui est très efficace lorsqu'il y a eu ces paris suspects sur un match de handball entre l'équipe de Rennes et de Montpellier en fait le, la, la, la française des jeux et l'argel ont un système où on voit tout de suite s'il y a un flot de paris inhabituel sur un match et, bon, et donc là on voit tout de suite et du coup je pense que la france est relativement à l'abri de cela pour les compétitions des sports collectifs parce que on suspecte on détermine tout de suite les, les flots suspects mais ce n'est pas le cas partout et puis surtout il y a des pays qui autorisent par exemple de parier sur qui fera la première touche. Ou qui marquera le premier but sans que ça impacte le résultat final. Donc vous pouvez convaincre quelqu'un de tricher. Bon, évidemment les paris truqués, c'est sur les matchs, je dirais annexes. Acheter le Real de Madrid pour qu'il perde un match, c'est trop cher pour que ça rapporte. Donc c'est pas possible. Mais acheter le match d'une équipe finlandaise de troisième division, ça peut être possible parce que c'est moins cher. Ou d'une équipe albanaise où les joueurs sont pas toujours payés. Et bon. Et là, il y a eu des contrôles qui ont été faits, notamment les équipes, euh, disons, des Balkans peuvent être qualifiées au tour préliminaire de la Champions League. Donc, c'est la Champions League, c'est une certaine visibilité, mais c'est les tours préliminaires avant le, la partie intéressante de poule. Euh, pour un joueur qui, de toute façon, s'il ne se fait pas éliminer à ce tour-là, se fera éliminer au tour d'après et qui reçoit l'équivalent de 4 mois de salaire pour lever le pied, ça peut être tentant. Donc, effectivement, il y a des phénomènes de, de paris truqués. On l'a vu en tennis où. Euh, ben voilà ça c'est très simple vous perdez tel match vous savez pas si vous irez pas très loin plus loin dans le tableau donc autant empocher quelque chose et donc il y a des surveillances de plus en plus fortes par exemple pour le match d'Ande qui avait été truqué on a regardé les réactions des joueurs est-ce qu'ils jouaient avec la même énergie que d'habitude donc là encore il y a des moyens il faut seulement, seulement faire des progrès parce que pour l'instant les luttes sont sur, contre les paris truqués sont trop à un niveau national et pas encore au niveau international. Le Conseil de la travaille beaucoup dessus. Il faudrait qu'il y ait une convention aussi internationale. Là, on est encore un peu en retard par rapport à la réalité sans frontières des mafias. Parce que c'est vrai que les acteurs sont nombreux, euh, aussi bien euh, dans l'action que dans la contraction. Alors, on dit par rapport à cette question des, des paris truqués que finalement, euh, la lutte contre le crime organisé a également souffert de, de la priorité stratégique accordée à l'antiterrorisme. Est-ce qu'on a euh, regardé trop d'un côté et, et pas de l'autre qu Disons que c'est sûr que bon, ce ne sont pas les mêmes enjeux, euh, mais, mais en même temps, euh, les, les groupes mafieux sont multidimensionnels. Et donc, euh, on peut aussi découvrir, à l'occasion d'une mafia sur les paris truqués, des activités autres criminelles. Il y a quand même une certaine porosité entre les activités. Donc, il est quand même, y compris en dehors du champ sportif, intéressant de lutter contre les paris truqués parce que ça permet de lutter contre les mafias qui sont un danger en tant que tel. Alors, ça pose la question de la gouvernance. Euh, comment vous voyez les choses en termes de gouvernance euh, sportive à l'échelle euh, mondiale bah, chaque sport a bon, ses fédérations. C'est sûr qu'il n'y a pas encore beaucoup de transparence dans les fédérations internationales, euh, qu'elles sont encore, disons, euh, à domination mâle blanc euh, par rapport à la diversité des sportifs et qu'on ne retrouve pas encore dans les instances dirigeantes euh, la diversité qu'on trouve sur les terrains, les gymnases, les piscines ou les pistes. Donc euh, il y aurait un grand progrès à faire. Pape Diouf, qui a été provisoirement le seul président noir d'un club de foot européen, d'un club professionnel de football européen, disait qu'il était « une anomalie sympathique ». Mais depuis qu'il a été viré de la France de Marseille, il n'y a pas d'autres dirigeants. Donc il y a euh, cette tradition un peu ancienne à changer. Et puis de plus en plus, je crois qu'il faudra de la transparence, que les sportifs prennent le pouvoir et d'éviter là aussi des pouvoirs qui s'installent trop longtemps. On parle en politique de limitation dans la durée des mandats. Ça serait aussi une bonne chose de le faire dans les instances sportives. C'est-à-dire ne plus avoir un step batterie oui, depuis reste 1998 pour... aux manettes parce à la tête de la FIFA. Parce que à l'évidence, ça donne de mauvaises habitudes, le, 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 les choses s'installent, etc et qu'il que il vaut mieux, effectivement, un renouvellement, personne n'est irremplaçable. Enfin, on peut imaginer qu'il euh, y va de la gouvernance sportive comme il y va des autres gouvernances, c'est-à-dire que, finalement, le monde étant de plus en plus compliqué, une gouvernance économique, une gouvernance politique, tout ça voilà, place le, le, oui. le, le sport devant les mêmes, oui, les ça mêmes enjeux. Ben, C'est et... sûr que diriger un club de football ou diriger une fédération internationale est beaucoup plus compliqué qu'il y a 20 ou 30 ans mais en même temps, les capacités augmentent, les gens sont aidés, il y a des staffs, il y a des procédures, etc. Disons que pour l'instant, la gouvernance est en retard par rapport à l'impact de visibilité, l'impact social du sport, et donc il faut, euh, renfort, enfin, il faut combler euh, ce fossé qui est gênant pour le sport. Alors j'ai plusieurs petites questions pour compléter. La première, elle, est, elle concerne les, les Jeux Olympiques de 2024. Est-ce que les chances de Paris sont, sont réelles oui, elles sont réelles, même s'il y a... Euh, en fait, la mauvaise nouvelle, c'est que Boston a abandonné et que Los Angeles s'est présenté. Il est plus difficile de battre Los Angeles que euh, Boston. Hambourg a abandonné, donc probablement ce sera un match États-Unis-France. On, on sent que les grandes villes ils vont moins facilement euh, dans ce oui, désir d'organisation de, des Jeux Olympiques. Oui, parce qu'à Hambourg ou à Boston, les gens se sont dit il va y avoir les embouteillages, il y aura des étrangers qui vont venir, il y aura du monde, etc. Donc il y a moins d'appétit de, pour des villes plus. Euh, Culturelles et qui n'ont pas envie de voir des masses débarquer chez elles. Il y a aussi une sorte de rejet d'une population qui va venir. Euh, donc Paris a de solides chances parce que le dossier est bon et surtout parce que les gens qui dirigent la candidature, Tony Estanguet et Bernard Lapasset, et toute l'équipe autour, Denis massé le patron du Comité Olympique, ont retenu les erreurs de la candidature de 2012, qui a été euh, vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire a été fait. Pour qu'on perde 2012, ça a été un étonnant de, de gagner. Là, les, les erreurs ont été analysées. Alors, on dit les attentats, est-ce que ça peut faire peur Mais en fait, des attentats, il peut y en avoir partout. Donc, euh, il y a eu des attentats à Atlanta en 1996 pour les Jeux Olympiques, donc ce n'est pas ça. Euh, moi, je pense que la, la crainte que l'on peut avoir, c'est si euh, un bon score de Marine Le Pen en 2017 ou, euh, disons, l'enracinement d'une France qui apparaîtrait fermée aux étrangers de par nos débats politiques intérieurs, euh, et qui, sont pas uniquement, qui ne se retrouvent pas uniquement dans le discours du Front national, pourrait être dommageable à une candidature française. Alors, les aspects économiques, justement, à propos de ces Jeux olympiques euh, pour certains, l'organisation des, des Jeux d'Athènes en 2004 a plongé le pays dans le déficit. Est-ce que finalement, les retombées ne sont pas toujours aussi positives que l'ampleur et le succès de ces manifestations pouvaient laisser penser Parce bah, Si les ainsi. problèmes de la Grèce étaient résumés aux Jeux olympiques de 2004, il n'y aurait pas eu besoin d'un plan de sauvetage. Mais pour Londres, ça n'a pas été non plus si évident que cela. En ah, mais Londres de... est devenue première destination touristique mondiale après les Jeux. Ça a permis de réaménager la ville. Vous avez deux exemples dans les échecs. Par exemple, c'est Montréal qui a coûté très cher. Les Québécois ont mis très longtemps à rembourser. Par contre, Barcelone a été complètement changée par les Jeux Olympiques. Le tout, c'est est-ce que vous faites des installations réutilisables et durables ou est-ce que vous faites des choses uniquement pour la période, comme Sochi par exemple, qui ne sera pas rentable. Mais la Grèce, disons que ça a été fait à la grecque. C'est-à-dire que bon, mais les problèmes de gestion de la Grèce ne datent pas des Jeux Olympiques, c'était bien ancien, le partage des parties, etc. Mais le coût des Jeux de Paris 2024 estime à 6 milliards dont un tiers donné par le CIO, un autre tiers donné par les sponsors, etc. Euh, bon, c'est quand même, si ça permet de réaménager, c'est un impact d'aménagement quand même important. Et puis surtout, euh, pour avoir été à Londres pendant les Jeux Olympiques, ce qu'il faut voir, c'est l'impact. Quel est le principal poison de ce pays C'est le pessimisme. Euh, gagner les Jeux Olympiques et l'organiser, moi j'ai vu l'énergie que tous les Londoniens avaient en 2012, ça faisait vraiment plaisir à voir, même pour les volontaires. Donc ça nous ferait vous... du bien Ah oui, oui. Très nettement. Alors j'ai une dernière question euh, qui va faire peut-être la transition avec les questions euh, euh, avec, avec la salle, mais je ne peux pas m'en empêcher, c'est le football féminin. Pascal Boniface. Euh, comment euh, vous le voyez émerger ce football féminin bah euh, On pourrait paraphraser euh, Aragon en disant que le football féminin est l'avenir du football, enfin que la femme est l'avenir de l'homme, y compris là, dans le football. Que vous êtes trop poli. Non, non, pas du tout. Je suis sérieux, y compris d'un point de vue. Regardez comment le football. Se... Aux États-Unis, le football féminin est plus développé que le football masculin. Parce que c'est d'une pratique, etc. Euh, en France, il se développe euh, à petite échelle, mais ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant. L'équipe féminine est beaucoup plus suivie. Ces matchs sont à la télévision, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y a maintenant un chemin professionnel. Alors certes, le budget de l'équipe féminine du PSG est 100 fois inférieur à l'équipe masculine, mais euh, ça existe et le retard est en train de se combler. Dans les pays nordiques, le football féminin est déjà très développé. Allemagne, en Suède, etc., en France, disons dans les pays latins plus machistes généralement, le football féminin est très en retard par rapport au football masculin. Pendant très longtemps, il y a des interviews qu'on ressort régulièrement euh, de, de gens qui interviewent une femme qui joue au football et ça apparaît. Les questions, c'est mais qui va faire à manger pendant ce temps là, etc. Enfin bon, donc du, voilà, qui date un peu d'une époque largement révolue, pas partout, mais quand même à peu près. Et donc, le football féminin est en plein développement, euh, y compris en France y compris dans les pays machos, peut-être pas encore tout à fait en amérique latine en chine en asie en tous les cas. qu'est-ce qu'il apporte ce, ce, ce football féminin en termes de euh, voilà peut-être de pratique euh, je ne sais pas fin... Alors on dit qu'il est plus technique et moins physique que le football masculin, que le football féminin s'est durci de par l'intensification des entraînements, la prise de poids, etc. Donc il est plus frais. C'est vrai qu'il est conseillé comme plus neuf, donc comme plus frais, avec moins d'enjeux économiques, etc. Il a toutes les qualités, les vertus qu'on ne prête plus au football masculin, certainement par opposition. Et puis d'un point de vue simplement des fédérations, euh, euh, plus il y aura de pratiquantes. Plus il y aura de femmes qui viendront au stade qui n'auront qui s'y intéresseront, et donc là aussi, c'est étendre les frontières de l'empire. Voilà, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Voilà, <laughs> merci, Pascal Boniface. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un tour assez, euh, assez large, somme toute, mais euh, vous avez certainement euh, des questions. Euh, en vue d'approfondir de, de, telle ou telle thématique abordée, peut-être. Oui, puis n'hésitez pas rapidement. aussi à poser des questions parce qu'il y a eu des gens qui ont, qui ont mis un petit peu de temps à rentrer, donc j'espère qu'eux aussi pourront s'exprimer pour compléter le, la conversation. Donc à qui la première Alors bonsoir. Excusez-moi, je suis arrivé un petit peu en retard, donc je n'ai pas eu le temps de, de suivre le début de la, de la conférence. Je voulais juste savoir est-ce que les, les Russes seront présents ou non euh, durant les Jeux Olympiques C'est la seule question que je voulais. Écrire. De Rio cet été en 2016. Tout à fait. L les Russes, oui. Les athlètes russes, c'est pas encore certain. Pour l'instant, les athlètes russes sont interdits de Jeux Olympiques. Il faudra voir si la sanction est levée et si les sanctions sont individualisées pour les athlètes qui ont été convaincu de dopage ou si on garde une sanction générale sur la Fédération russe d'athlétisme. Et on parle aussi d'un troisième, euh, troisième voie qui serait de donner des, des sauf conduits euh, à des athlètes russes non convaincus de dopage qui viendraient un peu comme on l'ont été les Yougoslaves en 92, venant concourir non pas sous la bannière russe, mais sous la bannière olympique, mais pouvant y participer. Peut-être vous vous présentez juste pour répondre votre question. Euh, donc, François Campagne, euh, j'avais une question à propos donc, du football féminin. Est-ce que vous pensez que le, le foot féminin risque de tomber dans les mêmes travers que le football masculin au niveau donc, fédération et scandale Ou est-ce que justement on a appris et on va éviter de, de refaire l'histoire C'est la question que je ne vous ai pas posée. Ah, bon. Mais en fait, il n'y a aucune raison que le football féminin ne tombe pas dans les mêmes travers que le football masculin. Euh, parce que euh, vous ne serez pas assez sexiste pour penser que les femmes sont par nature vertueuses alors que les hommes seraient par nature, ne le seraient pas. Donc euh, les mêmes euh, risques vont pourraient produire les mêmes effets. Ce que l'on peut espérer, c'est que d'une part, que le football masculin se réforme euh, et tire les leçons, notamment des scandales FIFA qui ont été faits. Maintenant, si euh, en si, comment en scandale, vous parlez de comportement, de certaines vedettes, etc., ben tout dépend de la notoriété, de l'éducation qui est reçue. Et là, il y a autant de règles que d'individus. C'est vrai que quand vous avez une vingtaine d'années, que tout d'un coup, vous acquériez une notoriété qui dépasse les frontières et une fortune qui dépasse ce que plusieurs générations de vos parents ont gagné pendant toute leur vie, c'est parfois difficile de ne pas euh, euh, péter un câble, comme on dit vulgairement. Vous avez des sportifs qui ne le font pas parce qu'ils ont un environnement familial qui leur donnait des valeurs, d'autres qui cèdent à cela, mais je veux dire, il n'y a pas qu'en sport, regardez les traders, regardez les hommes politiques, etc. Donc, euh, et là, vous avez quand même affaire à des gens qui acquièrent en 3-4 ans une notoriété euh, équivalente à... qui dépasse celles d'hommes politiques qui ont 40 ans de carrière. Bonsoir. Juste pour savoir pourquoi on parle toujours de dopage dans les autres sports, mais rarement dans le tennis Si on a aussi parlé de dopage dans le tennis, comme des paris truqués, il euh, y, y a aussi, enfin parce que par définition, il y a des matchs qui sont longs, donc nul ne dit alors le dopage, une fois encore, dans les sports d'adresse, ne donne pas une adresse supplémentaire, mais il permet d'enchaîner les charges de travail de façon plus importante. Donc il est évident que le tennis n'est pas à l'abri du risque de dopage. Bonsoir, monsieur Boniface. Euh, vous avez parlé de la candidature de Paris 2024 et vous l'avez mis en perspective avec celle de, qui avait été présentée en 2012. Et vous avez dit qu'en 2012, il y a eu de nombreuses erreurs, contrairement à celle de 2024 qui a de réelles chances euh, d'obtenir gain de cause. Et je voulais savoir euh, quelle était la vraie différence entre ces deux candidatures et qu'est-ce qui avait été mal fait en 2012 qui a bien été fait en 2024 Merci. Alors en 2012, ce qui a été mal fait, c'est que qu'on est arrivé à Singapour où la décision était prise en pensant que c'était gagné. Et on a arrêté de faire campagne. Alors que Tony Blair, dans l'hôtel où il y avait les délégués, a continué à faire campagne. Par ailleurs, Jacques Chirac a eu des marolles malheureuses sur la Finlande, en disant que c'est le pire pays en termes de cuisine. Il y avait deux délégués finlandais euh, qui n'ont pas apprécié. Et surtout, l'erreur majeure, c'est que ça a été une candidature uniquement menée par les politiques. Maire de Paris, président du conseil régional, en dehors de tout enracinement dans le monde sportif. Les Britanniques, en face, avaient un tandem, disons, Tony Blair, Sebastian Coe, qui, à l'époque, était une légende immaculée du sport, et donc qui a conquis euh, le et qui a conquis le public de votants, ce qui n'était pas le cas de la France. Là, le, le duo, Bernard Lapasset, dirigeant respecté à la tête de la fédération... Un sein de rugby, ce qui n'est pas évident pour un Français parfaitement bilingue par ailleurs, donc qui peut s'adresser à eux. Et Tony Estanguet, triple champion olympique, est une bonne candidature. Et le milieu politique, maire de Paris, président du Conseil régional, président de la République, soutiennent la candidature, mais se mettent derrière, pas devant. Donc c'est déjà une bonne approche. Et puis ensuite, il y a, disons. Dépister un peu tous les votants, les suivre un peu. Voilà, une, une vraie stratégie d'influence. Pendant très longtemps, pour faire court, la France disait Eh, hey, c'est moi le pays de Coubertin, donc votez pour moi, basta, et c'est terminé. Ça ne suffisait pas. Surtout euh, la, la façon dont la France avait traité Coubertin, qui a été euh, bon, pas, pas très bien traité par son pays d'origine. Et donc là, on a compris que si on voulait obtenir les jeux, il fallait travailler. Il fallait avoir une stratégie d'influence ou de lobbying, pour employer des termes qui était autrefois vu comme grossier, et que le fait d'être le pays de Coubertin n'était pas un viatique suffisant pour qu'on les ait dès qu'on les demandait. Il y avait voilà pas mal de questions de ce côté-ci après. Oui. Bonsoir. Donc par là. Donc ces dernières années en France, on a eu pas mal de. Je ne sais pas si on peut dire pas mal, mais il y a eu des scandales concernant certains sportifs ou dirigeants. Donc, pour prendre peut-être les plus connus, on a eu le, le cas de Michel Platini. Tout récemment, euh, Nicolas Karabatic également et Karim Benzema. Euh, paradoxalement, Karim Benzema est le seul sportif où, qui n'a pas été encore condamné, donc on se trouve encore au stade de l'instruction. Et on peut dire qu'il a été lâché par euh, la presse française et par, un, par la majorité des politiques qui ont pris euh, position sur son affaire. Donc, euh, tout simplement, comment expliquez-vous euh, ce traitement différentiel entre les sportif alors on ne reproche, reproche pas la même chose aux uns et aux autres euh, platini il a bon, je dire, il n'a pas été condamné non plus non mais par la justice oui mais il n'a pas été condamné par la justice il a été condamné bon voilà de, de... Alors, ce qu'on reproche à benzema c'est sûr que on pourrait dire que benzema est un peu euh, victime du dit de sale gueule parce qu'il vient d'une cité, etc., et que euh, certainement qu'il y a euh, dans les critiques qui lui sont adressées une part euh, de racisme ou une part euh, de défiance à l'égard des sportifs issus des cités. En même temps, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas tout fait pour dissiper l'hostilité euh, à son égard. Non pas que, en disant qu'il n'est pas extrêmement souriant, euh, il n'est il pas extrêmement avenant, etc., et que l'audition de, des écoutes ne donne pas un jour très favorable, et que quand même apparemment son ami a trempé dans des affaires un peu sombres quand même. Donc il y a les deux. Disons que Benzema n'est pas euh, la blanche colombe sacrifiée sur l'autel euh, des vengeances envers les cités, mais en même temps il, est, il y a une part d'acharnement sur lui qui n'aurait pas atteint, a été atteinte. D'autres sportifs, je vous le conseille. Euh, bonsoir et merci pour votre intervention. Euh, J'ai une question au niveau du Qatar et le concept de naturalisation. Euh, J'aimerais bien avoir votre point de vue. Bah, le, le concept de naturalisation doit être euh, moi j'aime bien ce qui se passe dans le football. Si vous avez revêtu le maillot national d'une équipe, vous ne pouvez plus en changer toute votre vie. Par contre, récemment, la FIFA a fait une dérogation. Si vous avez porté le maillot d'une équipe nationale en espoir, vous pouvez porter le maillot de l'équipe A d'un autre pays. Ceci a été fait pour protéger les pays du Sud. Pour faire que, par exemple, un jeune franco-algérien qui aurait été sélectionné en espoir par la France... Puissent jouer pour l'équipe d'Algérie ou pour l'équipe de Côte d'Ivoire, etc. Et donc, cette règle de pouvoir changer entre espoir et l'équipe A est plus au bénéfice des petites nations par crainte qu'elles ne se fassent aspirer leurs joueurs binationaux et qu'elles ne puissent pas les récupérer. Au handball, il y a un joueur qui a été champion avec la France qui est maintenant qatari. Ce ne serait pas possible au football. Là, effectivement, on peut se poser des questions c'est est-ce que l'on peut accepter. Qu'un joueur change de nationalité. Je pense qu'il y aura une protection pour les équipes nationales. Autant les joueurs changent de club, c'est la loi économique. Je pense qu'on ne devrait pas accepter, sauf exception liée à des événements géopolitiques, un Syrien par exemple qui voudrait bon, partir, etc. Mais qu'on ne devrait pas accepter le changement de nationalité en cours de carrière d'un sportif parce qu'il faut distinguer le club, c'est l'économie. Et l'équipe nationale où normalement c'est euh, on ne peut pas on devrait pas changer et je trouve dommage que les règles du football ne soient pas étendues à d'autres sports. En athlétisme on peut également changer de nationalité après un délai de trois ans. Alors on peut dire que la vie peut vous entraîner à déménager à vivre dans un autre pays que le vôtre, mais en, en football les gens exercent leur métier dans un autre pays et joue toujours pour l'équipe nationale. Et je trouve que c'est ça qu'il faut d'ailleurs préserver dans le foot. Et c'est ça que Platini a voulu à tout prix préserver. Alors moi, je vais reprendre la main sur le football. Juste, euh, c'est une question que je voulais vous poser, que je n'ai pas eu l'occasion de, de, de faire. Euh, la question des transferts, Pascal Boniface, et les pourcentages assez importants euh, des agents, 28%. Euh, oh non, c'est moins que ça, mais c'est beaucoup. Euh, c'est 5 ou 10% avec beaucoup euh, de rétro commissions Il faut voir qu'un footballeur, disons, euh, vedette, c'est une PME. Il fait vivre autour de lui un tas de personnes, souvent la famille. Souvent la famille, parce que bah, voilà c'est le, le bonanza, etc. Et donc, il y a des frères, des sœurs, des parents à faire vivre. Mais ceci étant, vous avez raison, les commissions des agents sont sur les transferts venettes. Alors, après, les agents, c'est comme euh, il y a des richissimes agents et d'autres euh, qui courent le cacheton c'est comme les acteurs, les avocats, il y a les vedettes et les traits de misère. Mais euh, le, le défaut du système des agents, c'est qu'ils sont un peu poussés au crime en termes de transfert, c'est que ils ont intérêt à pousser le joueur de changer pour multiplier les commissions. Et donc, ça accélère la rotation des joueurs et c'est peut-être... Bon, il y a maintenant des rotations qui sont extrêmement accélérées, même si on a quelques exemples de joueurs qui peuvent rester fidèles au club de leur vie, mais s'ils sont dès le départ dans un club de standing suffisant. Bonsoir. Alors au début de, de cette conférence, vous avez dit que le sport, et plus particulièrement le football, ne pouvait pas être un levier de croissance pour, pour des pays actuellement. Mais euh, qu'en pensez-vous euh, concernant les 30 ou 40 prochaines années, euh, concernant enfin, le sport en général je, je voudrais mesurer, je dirais que ce n'est pas là-dessus que l'on peut fonder la croissance d'un pays, que quand organiser un événement sportif majeur permet un petit surplus de croissance, mais ça ne change pas. Donc ce n'est pas inexistant, c'est marginal. Voilà, peut-être pour préciser ma pensée, ça existe, mais de façon marginale, ce n'est pas le sport qui va vous transformer en pays euh, richissime. Où, euh, euh, donc, euh, mais ça peut avoir un relatif, une, une importance euh, euh, faible par rapport aux autres éléments. Bonsoir. J'avais une question qui était plus en rapport avec les sports automobiles. Vous avez dit tout à l'heure que certaines fédérations allaient devoir faire un peu leur renouveau. Euh, Qu'en est-il de la Formule 1, des contraintes environnementales, même si ça reste un sport très dynamique et, et avec... Euh, un intérêt fort des, des, des automobilistes, enfin des. des là, là pour, de pour, la, pour la Foca, pour la, la Formule 1, il y a quand même un problème de gestion, effectivement, puisque du coup Bernie Ecclestone est en est le patron depuis près de 30 ans, euh, que les budgets sont énormes et que la transparence est zéro. Donc, euh, effectivement, bon. Alors, il y a aussi l'autre problème que vous soulevez, c'est tout ceci n'est pas très Cop21, euh, effectivement. Après, c'est des débats euh, sur les pays organisateurs, sur le public. Vous avez les fans, d'autres qui détestent, euh, etc. Enfin, bon, en tant que tel, un, une compétition, bon, je ne suis pas du tout amateur, donc je le dis librement, une compétition de Formule 1, ça pollue, mais ce n'est pas ça non plus qui euh, brouille le bilan carbone d'un pays pour autant. Quoi. C Merci beaucoup à tous deux. Euh, deux questions très rapides. Euh, de même que dans beaucoup de pays, il n'y a pas de ministère de la culture. Je crois que certains pays n'ont pas de ministère euh, ou de secrétariat d'État au sport. J'ai vécu quelques années aux États-Unis. J'ai vu des tas de ministres à la télévision. Je crois que je jamais vu de secrétaire d'État fédéral au sport. Et néanmoins, les Américains sont, on le sait, très sportifs et décrochent beaucoup de médailles. Est-ce qu'il y a une corrélation, via, voire une causalité ou pas, entre les... Euh, les performances sportives, la dimension du sport dans un pays et, au fond, pour faire le lien avec vos premiers propos, son degré de politisation, d'institutionnalisation au, au cœur du régime. La deuxième question, très brève, c'est, vous avez parlé de plusieurs générations pour forger une nation sportive partant de très bas. Euh, les Anglais qui ont euh, raflé beaucoup de médailles à leurs propres Jeux olympiques à Londres, mais qui avaient été, je crois, très bons aussi à Pékin, quatre ans avant ont imputé à un certain John Major, l'ancien Premier ministre, successeur de Thatcher, une politique très volontariste, très diligente, qui, au fond, en une génération, mais non pas plusieurs, a abouti à ses succès. Est-ce qu'il y aurait une recette miracle là-dessus Oui, alors vous avez parfaitement raison. C'est en une génération, après l'échec d'Atlanta, qui a été catastrophique pour les Britanniques, ils ont décidé d'affecter une partie des Paris. A au sport et ça a surtout payé pour le sport cycliste pour le cyclisme indoor. Alors donc là c'est en une génération parce qu'il y avait la base, qu'il y avait la base déjà et que on l'a bon. Je parle de plusieurs générations quand on crée ex nihilo sur euh, sur un, un sport qui, qui est inexistant. Et quant à votre première question, bah, en fait ça dépend de la politique. Dans un pays fédéral effectivement, je suis je ne sais pas par exemple s'il y a un ministre allemand des sports. Euh, je pense que dans les pays fédéraux, ça va être plus rare. Bon, en Russie, la Russie est un pays dont le fédéralisme est un petit peu particulier, disons. Euh, mais on, on voit qu'aux États-Unis, l'absence de ministre national n'empêche pas euh, les résultats. Et ensuite, ça dépend de l'organisation propre, mais aussi de la priorité. Et l'exemple britannique que vous donnez est vraiment très parlant. C'est que tout d'un coup, les Britanniques se sont dit, on a été humiliés, on ne faut pas le permettre de nouveau, comme un peu de Gaulle après 60. Et, Là, on voit que la France essaie quand même, euh, par exemple, la Fédération d'escrime, qui a un résultat catastrophique à Londres, alors que d'habitude elle est fournisseuse de médailles, s'est complètement euh, réformée, a eu une nouvelle présidente, Isabelle Lamour, pour ne pas. Une des rares femmes présidentes d'une fédération de grande taille de sport pour remettre les choses sur le plat. Et là, vu que la tradition escrime est très forte en France, pour repartir vers des moissons plus conséquentes, ça ne prendra pas plusieurs générations. Bonsoir, monsieur Boniface, et merci pour votre intervention. Euh, je voulais revenir sur un point que vous avez soulevé, et c'était notamment l'impact médiatique à travers le sport que peuvent avoir certains pays émergents, et notamment le cas de l'Inde. Euh, Donc, vous disiez que c'était un pays qui ne s'était pas distingué par ses performances dans les euh, Jeux Olympiques. Effectivement, c'est un pays qui n'a pas, pas de tradition euh, de, dans le sport olympique. Par contre, c'est un pays qui, est, qui a quand même bénéficié d'une d'une audience très importante dans tout ce qui est match de cricket, qui est un sport traditionnel là-bas, et c'est l'une des audiences mondiales les plus importantes en termes de sport. C'est également un pays qui se distingue par le tennis, tout récemment avec l'ATP de Chennai, et puis aussi dans le sport automobile. Donc plus globalement, est-ce qu'on peut dire que dans quelle mesure euh, de tels pays peuvent euh, accroître leur audience euh, sportive et se construire une image dans le sport à travers des sports qui sont entre guillemets moins connus par le, le public mondialisé et merci. Oui, merci de votre question. C'est sûr que le cricket fait des audiences dans, parce qu'il y a des pays très peuplés, dont l'Inde, mais le Bangladesh, le Pakistan, et puis les anciens pays du Commonwealth, qui donnent des audiences. Et en termes d'audience mondiale, le cricket est assez hautement placé. Sauf que ça concerne quelques pays. Et que dans le reste du monde, les gens ne regardent pas et, à mon avis, ne comprennent pas euh, l'un et dans l'autre. D'ailleurs, le, le cricket. Alors, effectivement, s'il y a quelques réveils, bon, pour l'instant, Modi n'est pas parvenu à faire du yoga une discipline olympique, donc ça, euh, c'est un peu plus compliqué pour avoir euh, des médailles. Mais je, je suis, enfin. Euh, je pense que l'Inde aura. Il y a un football professionnel qui se développe, par exemple en Inde. C'est tout à fait nouveau. C'est la deuxième ou troisième saison. Le chemin dure sur deux mois. Mais voilà, ça suscite de l'attention. Mais il y a les obstacles traditionnels en Inde, notamment du fait d'une mobilité sociale plus réduite. Et il faudra une révolution culturelle pour que l'Inde se mette de façon massive au sport. Pour l'instant, ce sont plus des exceptions que des courants majeurs, à l'exception, bien sûr, du cricket. Bonsoir. Euh, J'ai une question qui portera sur les Jeux Olympiques à Rio cet été. Euh, est-ce que, comme en 2014 pour la Coupe du Monde, est-ce qu'on peut s'attendre, en cas d'une mauvaise organisation ou de troubles ou de scores euh, peu élevés pour les Brésiliens, à, euh, à une aggravation de la situation politique euh, de la présidente qui est déjà très, euh, très compromise Alors, il ne il serait pas étonnant qu'il y ait des manifestations avant les Jeux Olympiques pour en profitant de la lumière que donnent les Jeux Olympiques pour que les classes moyennes, que les contestataires se fassent entendre. Vous vous rappelez que pour la Coupe du Monde de football, cette contestation a cessé la veille du coup d'envoi. On a profité de la caisse des résonances de la Coupe du Monde et ensuite on s'est arrêté. Les Jeux Olympiques, c'est un peu différent parce que c'est réparti sur plusieurs jours, le bilan se fait vraiment à la fin. Euh, il y a plusieurs disciplines et ça sera que sur une ville alors que la coupe du monde était sur une douzaine de villes et puis les sports olympiques sont plus éclatés alors que le football il est forcément sur un seul sport et puis pour le Brésil pour un brésilien le football a une importance que n'a pas alors bien sûr vous avez Nelson Piquet vous avez le sport automobile vous avez le tennis vous avez plein de sports enfin bon la compétition de n'est pas aux olympiques mais vous avez, bon, vous avez des nageurs vous avez de très bons sportifs brésiliens mais ça n'a pas le même impact émotionnel pour les Brésiliens, les Jeux olympiques, que la Coupe du Monde de Football, ou l'humiliation en demi-finale devant l'équipe d'Allemagne est certainement quelque chose qui restera dans les consciences collectives assez longtemps. Le gardien de 1950, match perdu de la finale contre l'Uruguay, euh, qui avait été accusé, c'est le gardien d'avoir pris un but qui était noir donc il était doublement accusé euh, on avait on avait dit justement que c'était le gardien était un poste trop sérieux pour être confié à un noir et que euh, il fallait euh, voilà c'était bon à l'avant mais pas pas autrement euh, et le gardien donc avait dit que euh, en, au Brésil la peine incompressible était de 30 ans mais que lui a été condamné à vie parce que la blessure de 1950 était restée donc euh, mais forcément quand vous avez, quand vous organisez un événement sportif mondialisé vous faites à la fois votre promotion mais vous êtes soumis au feu des critiques. Regardez le Qatar. La situation des immigrés au Qatar est la même que celle en Arabie Saoudite, au Koweït, et je dirais même qu'à Singapour ou à Hong Kong. Mais on parle des immigrés au Qatar parce qu'ils font la Coupe du Monde. Donc ça a les avantages et les inconvénients. La visibilité a les avantages et les inconvénients. Et donc là, le Brésil est sous les feux de la rampe, mais ceux qui veulent contester ou se faire entendre en profiteront, par définition. Mais je pense quand même que l'impact est moins fort dans le, le lien affectif des Brésiliens avec leur fierté nationale pour les Jeux Olympiques que pour la Coupe du Monde. Bonsoir Pascal Boniface, merci pour votre présence. Vous parliez tout à l'heure de, des sports automobiles et de l'empreinte écologique notamment. À ce propos, le Dakar s'est fini il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps, avec son lot de morts comme tous les ans. Quel avenir vous donnez à ce rallye Et surtout, est-il souhaitable qu'il ait un avenir long ou court même alors bon oui, il y, a, il y a eu des victimes comme chaque année. Ce que je vous ferai simplement remarquer, une fois encore, je ne suis pas un fan personnellement, je ne suis pas le Paris-Dakar, personne ne s'intéresse pas, mais euh, je sais qu'au Sénégal, ils regrettent de ne plus l'avoir. Et donc là, il faut faire attention aux gens qui savent mieux quel est le bien des autres populations. Des gens qui, pour défendre les Sénégalais ou défendre les Africains, disant non mais c'est scandaleux de faire des courses chez les Africains. Mais les Africains, ils regrettent de ne plus voir le Dakar passer parce que ça faisait des emplois, ça faisait des gens qui passaient, etc. Donc, je dirais, cette question-là, elle ne doit pas être posée à Paris, elle doit être posée dans les pays d'accueil. Si ces pays disent, écoutez, on ne veut pas vous servir de piste pour vos amusements à l'ailleurs, très bien, mais il ne faut pas parler à leur place. Bonsoir monsieur, merci pour votre talk ce soir. Euh, je voudrais vous demander, euh, Raymond Domenech avait dit, euh, après l'élimination de l'Ukraine euh, par la France, il avait dit, euh, si, si l'Ukraine était allée à la Coupe du Monde, il n'y aurait pas eu Maïdan, il n'y aurait pas eu la, la sécession de la Crimée. Et euh, en partant de cet exemple, euh, déjà, est-ce que vous pensez que c'était justifié Et surtout, est-ce que, euh, dans quelle mesure vous pensez que euh, le sport, et notamment le football, peut servir euh, aux politiques et peut être un vecteur d'unification dans la société Merci. Alors, oui, il peut servir aux politiques, il s'en sert, mais je ne pense pas que le sport soit l'opium du peuple, comme on le dit. D'ailleurs, Lula a été élu en 2002, candidat de l'opposition, l'année où le Brésil a gagné la Coupe du Monde. Donc, le président en place, qui comptait se servir de la victoire du Brésil, n'a pas réussi. Je pense que Maiden serait survenu que l'Ukraine ait ou non au Brésil, parce que les éléments historiques, objectifs, internes étaient suffisants. Et que quand, quand on voit, euh, souvent il y a des mouvements de contestation qui accompagnent le mouvement sportif, mais on ne fait pas taire. Cette euh, légende du sport qui serait l'opium du peuple, où on dit des fois aussi du pain et des jeux, ça endort les gens, c'est historiquement faux, puisque sous la Rome antique, il n'y avait que dans le cirque, on pouvait contester l'empereur, si on célébrait, si on supportait les chars adverses, aux chars de l'empereur. Euh, dans l'Espagne franquiste, il n'y avait que au Camp Nou que l'on pouvait parler catalan et contester franco en soutenant le Barça. Donc euh, le, cet opium du peuple qu'est le sport, c'est en grande partie euh, finalement défendu par des intellectuels qui ont un problème avec le sport et qui ont un problème avec les sportifs parce que beaucoup d'intellectuels estiment que les sportifs euh, prennent une place indue dans la société euh, Qu'il y a un mépris social de leur part pour beaucoup d'entre eux par rapport aux sportifs et que ce mépris social euh, ancien se double aujourd'hui d'une jalousie parce qu'on parle plus des sportifs que d'eux. Euh, donc il faut sortir de cette vision. Le sport n'est pas l'opium du peuple. Alors, on dit souvent euh, les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin. Oui, certes. Hitler a voulu se servir des Jeux Olympiques de Berlin comme une caisse de résonance pour le tir de son régime, sauf qu'il y a quand même un petit sportif noir qui a venu un peu contredire ses plans, Jesse Owens, en montrant que les Ariens n'étaient pas les meilleurs dans tout. Et euh, Jesse Owens, qui par ailleurs n'a pas été reçu à la Maison-Blanche en revenant, parce que Roosevelt, tout démocrate, ou comme il était démocrate, ne voulait pas accueillir un noir à la Maison-Blanche en année électorale. Donc, et. Pour revenir, il y a aussi une légende urbaine qui court là-dessus. On dit l'Argentine, Coupe du Monde, euh, dictature du, euh, de Videla, etc. Mais là encore, il faut écouter les gens. Les Montoneros, qui étaient l'opposition armée à Videla, demandaient aux gens de venir en Argentine. Parce qu'ils disaient, comme ça, vous verrez la réalité. Et plus on parlera de l'Argentine, plus on critiquera la dictature. Ce n'est pas la Coupe du Monde qui a permis la dictature en Argentine. Mais l'orientation de la Coupe du Monde, a suscité un nombre d'articles négatifs sur la dictature argentine qu'on n'aurait pas eu si la Coupe du Monde avait eu lieu avant. Donc il faut s'en servir. Par exemple, sur les travailleurs immigrés au Qatar, il faut se servir de la Coupe du Monde. Il y a, il y a trois attitudes. Il y a dire, bon, tant pis, on s'en fout. Dire, ah non, bah, donc il faut interdire la Coupe du Monde. Et l'attitude, moi j'ai travaillé là-dessus avec Amnesty International et Human Rights Watch, qui est de dire, on se sert de la visibilité que donne la Coupe du Monde euh, au Qatar pour peser pour améliorer la condition des immigrés, parce qu'en disant aux Qataris, vous auriez la Coupe du Monde pour être populaire, mais si on ne parle que des, des conditions de travail de ceux qui construisent des stades, etc., vous allez voir l'inverse. Donc arrêtez la kafala, et je fais le pari que le système de kafala sera supprimé avant 2022, sinon ça sera un boomerang pour le Qatar. Bonsoir, Pascal Boniface. J'aimerais parler à nouveau de l'organisation des Jeux olympiques. On a vu que les dernières éditions, euh, hiver comme été, mais principalement été, ont quasiment systématiquement abouti à euh, des pertes, en fait, euh, économiquement parlant, car euh, ce, des, des projets pharaoniques ont été, ont été proposés par les pays en question. Et je voulais savoir, donc, pour Paris 2024, s'il était possible de proposer une candidature et de faire accepter une candidature qui mène à, à, donc un, à une fin de JO. Où les comptes ne sont tout simplement pas dans le rouge. Oui. Où euh, on se base donc sur les infrastructures préexistantes. On en crée peut-être aussi de nouvelles pour, mm -hmm. pour moderniser euh, les infrastructures qui sont obsolètes. Mais euh, ne pas finir avec des comptes dans le rouge, mm -hmm. car c'est l'argument principal des, des gens qui pourfendent les Jeux Olympiques et l'organisation dans, dans ces pays -là. Alors, le CEO a changé ses règles après, disons, les, les exemples de Pékin et de Sochi. Pékin et Sochi sont exemple parfait où on ne compte pas. Parce que les Jeux Olympiques ont un enjeu géopolitique, politique et que l'argent n'est pas un problème. Euh, Londres a été euh, à l'équilibre alors qu'ils avaient sous-évalué la candidature par rapport au prix réel pour obtenir la victoire. Maintenant, dans le cahier des charges, il y a une limitation des coûts. Les jeux de Londres étaient de 13-14 milliards de dollars, Paris c'est 6 milliards. Donc vous voyez, on est revenu à des jeux. À taille humaine, parce que d'une part, la plupart des infrastructures existent déjà. Euh, <coughs> Qu'on a construit le vélodrome qui manquait par rapport à Paris 2012, qui manque la piscine, c'est l'élément majeur qui, euh, qui, qui manque, mais sinon, on a toutes les infrastructures. Donc on revient effectivement à des coûts plus maîtrisés et non plus à des jeux pharaoniques comme ce fut le cas dans les dernières périodes. Peut-être la dernière ouais. question. Ou... Okay. Alors deux, trois. <laughs> Allez-y. Bonsoir. Euh, je voulais savoir euh, par rapport au club de football, notamment au championnat, euh, si on peut expliquer la. Si on peut expliquer en fait euh, la différence de puissance financière entre le championnat de football, par exemple anglais, et les clubs français ou même espagnols. Si ça s'explique uniquement par les droits télé ou s'il y a aussi une volonté des États ou, ou des fédérations Ah non, c'est uniquement les droits télé, c'est la, la, la loi du libre marché. C'est que les, les, les télés anglaises vont dépenser 2,4 milliards bientôt par an. Plus, le, comme c'est le championnat le plus attractif, il est plus vendu à l'étranger. Et donc les télés anglaises payent quatre fois plus que les télés françaises, espagnoles ou allemandes. C'est ça qui crée la fortune des clubs anglais qui, du coup, peuvent rafler tous les joueurs qu'ils veulent sur les marchés européens deux, deux C'est le, le libre échange. Enfin, c'est la loi du marché dans toute sa splendeur. Bonsoir. Euh, je voulais savoir si, euh, lors des élections, des, euh, pour organiser des, les prochains événements sportifs, les euh, représentants des nations prenaient en compte la nature du régime. Enfin, je pense évidemment au Qatar ou à la Chine, qui ont peu de respect des droits de l'homme. Et donc plus généralement, est-ce que le sport fait Enfin, fait partie enfin, des relations géopolitiques entre les nations ou est-ce une sphère totalement à part Alors non, ils ne tiennent aucun compte de la nature du régime parce que, je pense que par exemple, ce qui s'est passé en sortie de Mexico où le gouvernement tue 300 étudiants qui manifestaient juste avant l'ouverture des Jeux, les Jeux n'auraient pas lieu aujourd'hui. Mais à l'époque... Tout le monde s'est dit, bon, c'est pas grave, on y va. Alors, est-ce que les, pays, les gens qui votent tiennent compte de la nature des régimes Non. Et je dirais, parce que le monde est... Euh, derrière votre question, il y a une autre question. Est-ce que seuls les pays occidentaux peuvent organiser la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques Ou est-ce que ces compétitions doivent circuler Donc, est-ce que le monde est un monde occidental avec ses valeurs et qui se euh, suffit à lui-même Ou est-ce qu'il faut aller ailleurs ne serait-ce que pour faire évoluer aussi les autres pays par les contacts. Mais derrière la question légitime que vous posez, est-ce que l'on peut aller dans des pays dictatoriaux, etc., la vraie question, c'est qu'il y a aussi quelque part le sanglot de l'homme blanc qui se dit, mince, euh, d'autres pays que nous euh, organisent aussi cette compétition, et auparavant, on avait le monopole. En fait, le monde se multipolarise. en règle générale, et le monde sportif se multipolarise aussi. Donc c'est le reflet de l'évolution globale et des émergents. La question qui suit, pardonnez moi, c'est presque à quand euh, un, une manifestation sportive organisée en, en Corée du Nord euh, Je ne pense pas qu'elle aurait la volonté ni les moyens, parce que ça voudrait dire recevoir des milliers de spectateurs, et je ne pense pas que la Corée du Nord ait envie de recevoir des milliers de spectateurs, donc il y a une limite, c'est que quand même, pour organiser une compétition, il faut un minimum de degrés d'ouverture. Euh, bonsoir, moi j'avais une question par rapport à, à l'éthique dans l'investissement dans le sport, c'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure qu'en luttant euh, contre les, les paris truqués, on luttait euh, plus ou moins contre la mafia de façon indirecte, mais dans le sens où n'importe qui peut investir dans un grand club et donc retirer de l'argent de cet investissement, est-ce que donc du coup il s'agirait pas d'instaurer... Bah, généralement une... ceux qui investissent en perdent plus qu'ils n'en gagnent. Hein, dans le... On dit comment devenir millionnaire si on est en milliardaire et investissant dans le football <laughs> Est-ce que du coup, euh, ma question, c'était de savoir si on ne pouvait pas instaurer un, un espèce d'organisme qui pourrait euh, contrôler de façon euh, euh, plus euh, ça, ça existe, c'est trackfin. C'est trackfin ça existe. Et si effectivement euh, des gens douteux veulent investir dans un club de football pour laver, pour faire du money laundering, eh ben, y a, euh, on, on traque euh, ces mouvements clandestins. Et donc, vous, enfin, vous avez raison de poser la question, mais ça existe. Est, disons que Plabo, Pablo Escobar, s'il était encore en vie, ou El Chapo, euh, etc., ne pourrait pas acheter Manchester City euh, ou le club de Bordeaux s'il si voulait l'acheter à M6, parce qu'on se dirait qu'il y a quand même des mouvements suspects sur euh, l'origine de ces fonds. Dernière question. Bonsoir. Alors ma question porte sur le, la proposition de Mourad Boujelal récemment, donc, président du club de, de Toulon de rugby, oui. ah. euh, en réponse euh, au salary cap en France et au championnat donc, du top 14, de faire passer Toulon en, en compétition dans le championnat anglais. Donc, est-ce qu'on pourrait y voir une forme de, de championnat transnational Est-ce que c'est juste une. Non, mais bon, vous savez que ou... euh, Bougelal est un provocateur. C'est comme quand on dit que euh, si. Euh, les, enfin, voilà, il y a souvent ce type de proposition. Ça n'arrivera pas. Euh, ça ne se passera pas comme ça. Mais c'est une façon euh, bah, de faire parler de lui. Bon, c'est une pure politique de communication réussie par ailleurs. Bernard Tapie disait, il disait quand il était président de Marseille. Ah bah tiens, je vais transférer Maradona. Et puis ensuite, bah non, c'est pas fait dit comme ça. Il n'y avait rien. Mais on a parlé deux fois deux mois quand je disais que j'allais faire venir Maradona à Marseille et quand je disais que Maradona n'allait pas venir à Marseille. Bon. On, va, on va libérer Monsieur Boniface qui a un autre impératif, donc euh, on devait arrêter à 20h30 pour qu'il puisse se rendre à son rendez-vous. Bravo à tous les deux, merci beaucoup. Je voulais remercier aussi le, le public déjà pour sa patience à l'entrée du centre et puis pour la qualité et le nombre des questions parce qu'il y avait de la compétence et de l'intérêt dans le public. C'est toujours aussi comme ça qu'un événement est réussi, enfin me paraît réussi pour, pour le public et pour les intervenants. C'est agréable. Euh, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 1er février, une séance, du cycle, une séance spéciale du cycle Enjeux Internationaux sur. Euh, on va dire la crise des réfugiés avec des guillemets un peu partout au terme crise au terme réfugié. On va essayer d'analyser tous ces termes en partenariat avec l'INALCO. Donc euh, en, le titre de la séance est Réfugiés, un, un défi pour l'Europe. Euh, voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On aura une séance aussi dans trois semaines avec Marie-France autour de, du genre et de la place du genre dans la théorie et dans l'étude des relations internationales. Voilà, je vous donne rendez-vous et cette séance sera disponible en ligne dans quelques jours. Bonne soirée.